Salut tout le monde, c'est Warconix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez pas être déçus, j'ai les images promotionnelles de Fairy Tail Sawyer Quest EP numéro 19 et il y a du croquant. Ah, en plus ça passe bien avec l'image. Vous êtes fan de Fairy Tail, n'hésitez pas à venir regarder, merci à tous. Allez, on commence avec les images promotionnelles en musique. Ça c'est incroyable, après la bataille qu'il y a eu avec Alderaan, on va repasser, je pense, sur quelque chose d'assez drôle et pas drôle. Vous allez comprendre suite aux images que je vous dévoile en même temps. En même temps, ceux qui sont à jour pour les scans, je pense que vous savez un peu qu'est-ce qui va se passer. Mais il y a des scènes drôles et je pense qu'il y aura un petit peu de fanservice et chi. Toujours assumé, on verra. Cette image dans le bain me fait rappeler Eden Zero, pas vous ? Moi j'aime bien. Et puis la dernière, pour ceux qui sont fans du personnage Kana, vous allez kiffer. Maintenant passons à une information plutôt croustillante. La VF a été annoncée pour 2025 pour Fairy Tail Sawyer Quest. Est-ce que ça va être les personnages qui sont doublés par Arnaud Laurent et toute la troupe? Eh bien on en a pas mal qui sont toujours là. On verra bien ce que ça va donner, sachant que quand même, Fairy Tail Sawyer Quest n'est pas à son maximum. Personnellement, moi je suis déçu de l'animation qu'ils nous ont proposée. Je pense qu'on aurait eu un autre studio d'animation, ça aurait été préférable d'avoir un autre studio. Mais bon, ça fait toujours quand même plaisir d'avoir du Fairy Tail. Dites-moi si vous auriez préféré attendre peut-être 2 ou 3 ans de plus pour avoir un Fairy Tail plus quali. Et pour finir, nous allons découvrir un nouveau trailer d'un animé de Hiromashima. Adapté d'un jeu vidéo. Je le savais de façon qu'ils allaient le faire. Je le savais d'avance. C'était sûr et certain qu'ils allaient faire un animé dessus vu le jeu que ça allait être et plus les vidéos promotionnelles qu'ils nous ont proposées. Oh, j'aime bien. Alors je suis pas en facecam mais bon c'est pas grave, ça fait toujours du contenu. Donc ça se nomme Farmagia. Oh, pas mal. Franchement, j'aime beaucoup. On verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, le jeu, alors en soi, j'ai hâte d'y jouer aussi. Il est disponible sur PS5 et Switch. Sachant que j'attends énormément le jeu Fairy Tail 2. Ok, donc ça va être le méchant. Et il faut que je découvre aussi Dead Rock. Faut que je le découvre. Oh, j'aime bien. En vrai, ça peut être pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air d'être vraiment pas mal. Oh. Et bien sûr, ça a été fait par Hiromashima. Hein? Et vous allez vous dire, ouais, mais Mashima il fait déjà plein de choses. C'est pas lui qui supervise l'anime. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Hein. Ok. Est-ce qu'on aura quand même des plans fixes? Ça a pas l'air, hein. Ça a pas l'air pour le moment. Ils reprennent un peu l'adaptation visuelle du jeu vidéo. J'aime beaucoup. Ouais. Farmagia. Ouais, c'est ça. Donc ce sera disponible le 10 janvier 2025. Voilà.